Salut les gens, c'est Wembe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une annonce absolument exceptionnelle. Un nouveau Zelda a été annoncé en développement, on le savait depuis quelques temps déjà. Ce nouveau Zelda, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la suite de Breath of the Wild qui a l'air beaucoup plus dark. Et aujourd'hui, nous sommes en live sur Twitch pour l'enregistrement de cette vidéo. Voilà, les gens vous disent coucou juste là, vous les verrez d'ailleurs sur YouTube. Et on va pouvoir eh bien analyser les images qu'on a aujourd'hui. On le laisse tourner quand même une petite fois juste derrière en attendant que on puisse analyser ça. On va déjà commencer là-dessus. Voilà, regardez, on a déjà des espèces de petits filaments verts. Alors, déjà qu'est-ce que c'est que ces petits filaments verts? Je ne sais pas. Là, on voit, je ne sais pas, il faut qu'on analyse tout. Il faut analyser image par image parce que c'est juste incroyable. Alors, on dirait une espèce de serpent de sigle avec des espèces de messages dans, avec des espèces de messages qui sont dans ces espèces de fumée verte, je ne sais pas trop. On voit la torche contre les bords. On retrouve un petit peu les glyphes qui nous contaient l'histoire d'Hyrule, tandis que Zelda avait disparu et que Link était endormi. Je vous rappelle que Link a dormi pendant 100 ans avant le début de Zelda Breath of the Wild. Et là, eh bien, on le voit arriver dans une caverne. Et là, on voit un espèce de truc, on dirait un petit peu quand même dans Naruto. Hein. Voilà, on dirait un petit peu dans Naruto. On dirait Kyuubi, on dirait qu'il y a Naruto au centre avec les pattes de Kyuubi. Alors, bien évidemment, ce n'est pas ça. On voit tous ces sigles verts là qui... très étrange, l'avatar du néant, nous dit Gameskuma, l'avatar du néant, incantation chelou, nous dit AKS. Est-ce que, regardez ça, regardez, il est sur l'éléphant, donc, eh bien, sur un des éléments fondateurs de Zelda Breath of the Wild, regardez, ils arrivent avec, donc, Link et Zelda devant ce qui semble être, on dirait un corps, je ne sais pas, on dirait un... c'est étrange quand même ce qu'il y a au milieu, je sais pas, on dirait un corps quand même, une espèce d'invocation, regardez si il y a... Les glyphes semblent sortir de la poitrine un petit peu, tu sais, comme dans Alien quand ça s'ouvre. On dirait que les glyphes sortent de... Regardez, on voit clairement la personne. Je vais me faire... Oh, la personne, elle est comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement. Oui, Zelda a les cheveux courts. Et Zelda a les cheveux courts, absolument. Merci, Conan, absolument. C'est une main qu'il tient. Il y avait une main en dessous. Vous voyez une espèce de main en dessous, vous trouvez? Alors, regardez, il regarde. Donc là... Une espèce de caverne, encore une fois. Une main posée sur la poitrine. Vous trouvez qu'il y a une main posée sur la poitrine? Oui, elle est sur l'éléphant, elle a les cheveux courts. Donc l'éléphant, Link qui est là aussi, avec une espèce de caverne, alors qu'il serait peut-être potentiellement au milieu de la plaine d'Hyrule. C'est ce qu'on voit un petit peu dans la suite. Regardez. Donc là, bon, l'éléphant, il est en train de boire, génial, voilà. Regardez, on voit cette espèce de fumée qui... Ça me fait penser quand même à Ganon. Ganon qui, je me rappelle, dans Zelda Breath of the Wild, se répandait comme ça autour du château d'Hyrule, clairement. Une sorcière aussi puissante que Ganon, donc Ganon l'a emprisonné. Vous pensez que ça serait quelque chose à la fin? Alors regardez, on voit une véritable caverne, très dark, hein, on est vraiment sur quelque chose de très dark, tandis que Breath of the Wild était très lumineux, avec effectivement des effets visuels dans tous les sens, avec un... Ouais, vraiment, vraiment très, très chatoyant. Là, on est clairement sur du dark, du noir, du vert, quelque chose qui change complètement et drastiquement. Regardez Zelda avec les cheveux courts, qui est magnifique. De la corruption, Albatros, absolument, c'est juste de la corruption, mais on était censé avoir anéanti Ganon à la fin de Zelda Breath of the Wild, c'est pas... une nouveauté, hein, avec l'arc de légende, l'arc doré, comme vous voulez. Regardez, elle est magnifique avec les cheveux courts, je sais pas ce que vous... Mais elle est belle, elle est somptueuse. Regardez cette espèce de corruption qui s'évade de cette espèce de corps au milieu, là. Alors, regardez, alors c'est ça, regardez. C'est ça, le corps qui est au milieu. Je vais juste bouger un petit peu ma caméra. C'est ça, quand la... Ça me fait penser à un boss. Ah oui, d'accord, effectivement, il y a une main au milieu de la poitrine. Vous aviez raison, absolument. Le miroir des ombres serait à nouveau ouvert, pose Gameskuma comme question. Oh là là. Regardez, attendez. Oh là là, Link qui a l'air d'être contaminé également, juste après. Alors, cette fameuse main qui est sur un cadavre momie. On est sur un cadavre momie, hein. L'ambiance a l'air absolument incroyable. Regardez, je vais mettre pause au bon moment, regardez. On est sur une momie, alors... Quel est cet œil au milieu? On a un œil au milieu de... Je ne sais pas. Quel est ce personnage avec les cheveux longs? Est-ce qu'on n'est pas sur la vieille de Zelda Breath of the Wild? Je ne crois pas. Hein, clairement pas. On est sur du Sheka au niveau des glyphes. On dirait un gant Sheka. Hein. On dirait vraiment un... Vous savez, comme les spartiates, les chaussures spartiates. Mais
Non, vous trouvez pas? Clairement, hein, on est sur un gantelet, quelque chose qui a l'air de... Ouais, qui a l'air de lui aspirer son âme, quelque part. Hein. Et je me demande quel est ce personnage étrange avec les cheveux longs qui sont juste là. Et regardez, alors c'était vraiment une microseconde. On voit Link. Ah, j'essaie de mettre pause au bon moment. Regardez, Link qui a l'air de pouvoir gérer la corruption. Un sage qui se renferme dans un sanctuaire. Un rapport avec le cerf lumineux. Les anciens rois momifiés. Midona, on nous dit. Regardez, on le voit une demi-seconde. Oh, c'est incroyable comment ils ont réussi à gérer leur trailer. Regardez ça. Link qui a l'air d'avoir été infecté un petit peu par ça. Mais c'est genre ultra classe. Regardez ce sublime. C'est magnifique. C'est... Alors là... Oh, putain, mais il faut vraiment faire image par image. Attendez. Je suis en train de gérer la souris. Là, la corruption qui va frapper une espèce de pyramide inversée qui a l'air d'être au plafond de cet endroit. Ouais, la corruption frappe cette espèce de pyramide inversée, se répand sur tous les côtés. Ça serait pas le corps de Ganon, nous demande Malo. Je pense pas. Alors là, bon. Ah oui, d'accord. Par là, il y a beaucoup d'images qui vont se succéder. Donc, là, il y a beaucoup d'images qui se succèdent très vite. Donc, il va falloir faire des systèmes de pause. Ok, donc là, Link, c'est la main de Zelda. Hein. C'est la main de Zelda qui chope Link, on est d'accord. Hein, c'est pas le contraire, c'est pas Zelda qui chope la main de Link. On est vraiment sur la main de Zelda qui chope Link comme pour le ramener, comme pour le sauver de quelque chose. On est sous le château d'Hyrule, ça serait glauque et dingue. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu sous le château d'Hyrule, mais pas les passages qu'on a déjà empruntés. Pas dans les chemins qu'on a déjà empruntés, mais vraiment encore en dessous, comme s'il y avait une espèce de crypte encore en dessous du château. Quelque chose de véritablement fou. On est d'accord là-dessus, hein. Je fais... Regardez. On a une espèce d'entrée avec des pattes comme une tête de sphinx, un petit peu. C'est magique, c'est juste... c'est le gant Sheka dont parle Erek dans la quête secondaire du relais du sud, nous dit Alex. Même l'éléphant est abordé. Aurait-il tout prévu depuis le début? Est-ce que, effectivement, en écrivant Zelda Breath of the Wild, ils avaient déjà pensé à une suite? Enfin, un Zelda sombre. C'est incroyable. Hop là, je fais des pauses très rapides. Là, ça passe à l'intérieur. Vous voyez que... Il y a déjà des toiles d'araignée, donc c'est un passage qui n'a pas été emprunté apparemment depuis très longtemps. Oh, regardez la main. La main s'est transformée. Là, on était sur... Est-ce que c'est la main de tout à l'heure ou pas? Cette espèce de main avec l'espèce de... Ouais, de... C'est beaucoup d'espèces d'œufs, en fait. L'espèce de gantelet, là, qui chope la main de Link, en fait. Hein. Zelda Breath of the Wild. On dit que c'est pas idiot, Zelda Breath of the Wild. J'aime bien Get. Ça fait... Il y a un truc de Twilight Princess, mais... Je vous rappelle que depuis Majora's Mask, on n'a pas eu de Zelda extrêmement sombre. Et là, on a l'air d'y revenir. Regardez, tu vois, on a l'impression qu'il va lui prendre la main pour l'aider. Et en fait, il lui chope, hein, c'est clairement quelque chose d'extrêmement agressif. On est sur une agressivité folle, absolument. Là, on est vraiment sur quelque chose qui veut le posséder ou quelque chose dans ce sens-là. Regardez, il le tire vers le haut. Et là, c'est peut-être ça la bête, regardez. Ça ressemble à une espèce de plante chelou, une espèce de gigantesque monstre avec des pattes... Non, c'est Link d'ailleurs, c'est Link qui se transforme là. Link se transforme. Non, on est sur une influence de Twilight Princess, c'est sûr. La main qui est là, juste derrière moi, c'est la main qui a chopé Link et qui l'a très certainement... ouais, je sais pas. Regardez, c'est Link qui est en train de se changer, comme il se modifiait en loup dans Twilight Princess. On est clairement dessus, on est d'accord quand même. Là... C'est Link qui se transforme. Il se transforme en je ne sais pas quoi, mais Link se transforme. Zelda, Dark, je pense qu'on est clairement dessus. On essaye de... Regardez ça. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Regardez, là, ça disparaît. C'était pendant une microseconde. Il faut absolument qu'on arrive à récupérer ça. C'est fou. C'est ouf. C'est un surplus de hype incroyable. Ok, il y a la caverne qui s'effondre. On inverse les rôles. On va sauver Link en jouant Zelda. Oh, t'imagines ? Si on a... Bah cette fois ça sera un vrai Zelda, tu vois. On incarnerait la princesse Zelda, d'où les cheveux courts, genre elle s'est coupée les cheveux pour partir à l'aventure et ça y est, défoncer cette espèce de forme très dark qui a peut-être Zelda jouable. C'est votre idée et c'est très probable. Je trouve ça très intelligent et très intéressant comme théorie. J'ai une théorie. Je pense qu'on pourrait potentiellement jouer Zelda parce que le boss est une femme et je trouve que dans ce trailer on voit vachement et j'ai l'impression que Link se fait ouvrir genre prise d'otage. D'accord? C'est assez intéressant, j'aime bien. C'est assez intéressant comme théorie.
Regardez, regardez cette espèce de main là qui... Ouais non, je pense que... Vous voyez que c'est Zelda qui tient le... qui tire la torche. Link, lui, ne tient rien dans le trailer. Zelda est extrêmement mis en avant. On est d'accord. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On est à 42 secondes sur 1 minute 20. On a déjà analysé tellement de trucs. Merci Call of pour ton joli cheers, merci beaucoup. Regardez ça. Ouais, ouais, on va jouer Zelda. Je pense que vous avez raison. On va jouer Zelda. Regardez son air apeuré, là. C'est incroyable. Ah, j'ai l'impression que la forme qui était par terre s'est réveillée, ou alors que c'est Link qui a été contaminé. Non, non, ça c'est la forme qui était... Elle a un mort comme les chevaux, vous savez, comme si elle servait de monture. On dirait une espèce de monture. Alors ça, c'était bien la forme qui était par terre avec cette espèce de diamant au milieu du crâne. Salut à ceux qui débarquent, bienvenue sur cette analyse. Ah, elle a lâché le mort. Ok. Wow, ça s'est tourné vers nous. Regardez, là je crois que les yeux s'allument. C'est incroyable. C'est magnifique, c'est absolument somptueux. Cette image, là, je pense qu'on va la mettre en miniature. Parce que c'est juste fou. Elle se réveille après avoir touché Link. Et du coup, il est emprisonné en elle. Nous dit Captain Aiden. C'est pas idiot du tout. Je trouve ça très intéressant. Merci à ceux qui participent avec les cheers. Regardez les yeux. Regardez les yeux. Mais c'est ouf. Et là, alors. C'est là où il se passe un truc très bizarre. Où ça se met à trembler. On va faire image par image pour être sûr. Ok, c'est sous le château. On confirme, c'est sous le château. Regardez, au bout du château, on voit la fumée du château qui tremble. Le château qui est en train de se soulever. Le château se soulève. Le château d'Hyrule se soulève et décolle. Regardez ça, comme une forteresse dans le ciel un petit peu. Regardez ça, on le remet. Ouais, le château décolle. Hein. Je confirme, le château décolle. Et le château est en train de partir, le château d'Hyrule. Hein. Regardez ça. Là, on n'a rien. Ça commence à trembler un petit peu. Et le château d'Hyrule est en train de s'élever dans le ciel. C'est ouf, cette scène est incroyable. Je pense pas que ça soit la même map, je pense qu'on va être dans quelque chose de différent. Et là, du coup, bah, c'est doit être la fin de ce qui était montré. Petite théorie. On va avoir un Link obscur et notre but sera de jouer Zelda pour délivrer Link. Et bien justement, c'est... Il y a une fumée à droite aussi? Ah bon? Je vois pas de fumée à droite. Non, je vais pas tuer à droite. Non, mais c'est ouf. C'est incroyable. Je pense qu'on va jouer Zelda. Hein. Je pense vraiment que Zelda va être jouable, en fait. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est incroyable. C'est fou. Mais voilà. On a analysé ensemble ce fameux trailer qui, je pense, va en hyper plus d'un. Merci, Call of. Nouveaux amiibo, va voir. Nouveaux amiibo. On regardera. Mais voilà, pour le trailer de... C'est incroyable. Les images. Cette image-là. Attendez, cette image quand il nous regarde, j'aurais aimé remettre le moment où on voit Link, vous savez, on a l'impression qu'on voit l'ombre. L'ombre, elle apparaît tellement une demi-seconde. L'ombre apparaît vraiment une demi-seconde, c'est juste fou. Attendez, je veux pas... Attention. C'est juste après... C'est par là. Hein. Là, l'ombre était par là. Hein. Là, ici. Ça, ici. On est à 41 secondes du trailer. Qui aurait dit ça? Une image de Zelda comme ça? Mais c'est magnifique. Bref, en tout cas, c'est ce qui conclut cette petite analyse du trailer. Si vous avez des idées, puisque cette vidéo est publiée sur YouTube, vous me dites ça dans les commentaires. Merci Captain Aiden pour ton joli cheers. Merci à Kevin qui nous dit c'est la dépouille de Ganondorf. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, mais également l'abonnement à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. Vous n'hésitez pas à commenter à fond et à partager cette vidéo analyse. Et à très très vite sur la chaîne ou pas. Ce sera toujours encore à toi de décider d'être ton écran. Salut, salut. Hey.